Et re YouTube, troisième partie Man of Medan, tout de suite c'est parti, on explore cette épave de la Seconde Guerre mondiale, enfin épave. C'est pas ce que c'est, hein. Qui a surgi devant nous, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah il est au calme le navire, hein, t'as vu, hein. Il est complètement au calme, il navigue depuis 20 ans. Enfin, un peu plus même, parce que c'est secondaire visiblement. J'ai mis ma couche, j'ai mis deux slips, on sait jamais. Alors qu'est-ce que c'est que ça? What the? Pourquoi tu fais ça, toi? Malade. Pourquoi vous voulez pas que je le prenne? C'est comme si on était dans un piège à rats qui prend l'eau. Attends, y'a un truc par terre. Non? C'est un reflet. C'est un reflet. Ok, superbe. Imaginez tout ce qui se planque ici. Des rats, des sangsues. Des rats et des sangsues? Non, les rats, à mon avis, ils sont décédés là. What the fuck, c'est quoi? Merde, j'ai pas vu. Elle a perdu quoi? Tout va bien. Évidemment. Putain, mais y'a des Wendigo aussi, quoi, là. The Mask of Madness. Ouais, mais attends, mais je fais comme. Ah non, mais c'est une issue ça, ouais, je peux entrer là-dedans, ouais, bien sûr. Vous voyez pas bien. Attends, il y a le crucifix là. Look, prends-le. Non, tu veux pas le prendre. Attends, avant d'aller plus par là, on va regarder ce qui se passe ici. Il y a peut-être des choses là, non? Il y a du sang et des larmes. Pourquoi on se tire pas d'ici? Là, il y a un truc, t'as vu? Qu'est-ce que c'est quoi? Miller. Gérard Miller, il a joué dans le jeu. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous maintenant? Y'a rien là? Attends. Si je me déplace comme ça, y'a peut-être des trucs à voir. Des fois, il suffit de bouger juste un petit peu la caméra. Ouais, CR3, il est comme moi, il sursaute vite. Moi aussi j'aime bien. Attends. Faut aller par là, donc moi je vais aller de l'autre côté. Ah non, face caméra on peut pas, y'a rien. C'était quoi? Oh merde! Qu'est-ce qu'il y a? Que dalle. Et pourquoi t'as pas de lampe moi? Oh putain! Quoi putain quoi? T'as y'a un truc là. Eternal Memorandum, c'est une note interne ça. Mémo interne, 14e division US. Tu remplaces Patterson demain, il est encore malade et bien sûr ça tombe toujours quand il est de garde avec la cale 3A. Le premier tour commence à minuit, le roulement est indiqué sur le tableau de service signé William P. Ford. Encore, c'est la troisième fois cette semaine, personne n'aime ce poste, Patterson devrait se secouer un peu, faites le nécessaire. Ah oui, d'accord, sympa. Ok. Je ressemble à Fortnite. Hein? Sympa, hein? Regarde, bientôt je vais construire des ponts. Et je vais me protéger derrière les escaliers, regardez bien. Ah. Olson, il y a une porte ici! Allez, bande de nazes. Entrez là-dedans. Ok. C'est rien, c'est la porte. C'est... tout va bien. Hé hey, on voit que dalle ici. Donnez-nous une lampe. Ouais, vas-y, une lampe. On veut pas leur donner quelque chose. Oh. Merci. Ah cool, sympa. Attention. Ah bah ça aussi, ça fonctionne ou pas? Oh yes, X.
quoi ce putain d'endroit ? C'est un bateau. Pourquoi ? Ah, j'hésite. Il doit sûrement y avoir un rapport avec l'or de Mandchourie. On n'est pas loin des coordonnées. Est-ce qu'il y a qu'à moi que ce bateau fout la trouille ? C'est peut-être ce navire-là qui transportait l'or. C'est une possibilité. Salut Morales. On peut pas rester à rien faire. Il nous faut un plan. Un plan ? On retourne sur le Duke. On dégage d'ici vite fait et on quitte plus jamais la terre ferme. Cool comme plan, non ? J'ai vu un de ces enfoirés enlever un truc du bateau. La tête d'allumage. Ça fait tourner le moteur. Sans cette pièce, le Duke of Milan n'est plus qu'une barque. On doit la récupérer. Pendant que ces idiots recherchent l'or de Mandchourie ou je sais pas quelle connerie à bord de ce gros cercueil ambulant, nous, on va en profiter pour trouver un moyen de se tirer d'ici. T'as déjà vu un sous-titre qui fait tout l'écran ? Please. Je tenais à te dire que... j'ai peut-être un peu dépassé les bornes là-bas. C'est-à-dire ? J'ai peut-être, disons... tirer des conclusions un peu hâtives en pensant que... Que tu étais lié. En pensant que t'avais un genre d'accord secret avec voilà. Ces types, un truc comme ça. Mais maintenant, je sais que j'avais tort. Ils sont aussi hostiles avec toi qu'avec nous. Salut, idée. Donc, voilà. Je vais me permettre de traduire. Il te dit qu'il s'excuse. Ça. Ouais, je... On va dire que je vais accepter tes excuses. Cool. Cool. Ok, t'as y a un truc. Là, papa. Mais qu'est-ce que c'était ce bateau ? Prémonition ou pas ? C'est quoi ça ? Ship mascotte. La mascotte, c'est un Yorkshire. Je crois. SS. Hein ? C'est pas cool ça. Ah, mais prends ça. Alex, j'ai vraiment peur. Calme-toi, je suis là. Mademoiselle J. Rivera, appartement. Salut trésor, tu me manques énormément. Et ça, c'est égal Saint-Seyard. Non, mais malheureusement, je ne crois pas. Ça m'aurait arrangé, mais. Comment va le boulot ? Ouais, d'accord, c'est une lettre. Sa femme, non ? Ah, et Baby Doll. Salut trésor, ouais. Salut Joe. Salut. Ok, donc ça, c'est fait. Il y a un autre truc, non ? Il y a pas... Attends, faut que je regarde derrière. Ce type. Ah, j'ai beaucoup de temps pour penser. Il était carrément flippé. Ah, c'est Miller. C'est Miller, on a vu son uniforme là, ses vêtements. Certains gars ont vu une silhouette rôder, mais tu es toujours près de moi pour me rassurer. On pourra se marier, avoir deux enfants, on sera heureux pour toujours, d'accord. Un mec sympa. C'est ça ? Ouais, c'est vraiment étrange. Ce sont des lunettes, c'est tout ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai vraiment pas envie de savoir ce qu'ils comptent faire de nous. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'ils comptent faire de nous. Je peux pas me retourner davantage, non ? Toc. Attends, elle est là d'abord. Ah ouais, bon. Ah, mais j'ai trouvé un truc. Ouais, une grille. Oh, un journal. Je me demande bien pourquoi ils l'ont abandonné. Petite minute. Je vois si j'arrive. Gangland, tuerie de 1947. Ah, 1947, tu vois, hein, donc... Ouais, il y a 72 ans. Expédition Hodgson. C'est arrivé en septembre dernier dans le but annoncé de mettre au jour... C'est pas quoi. Ok. Pas des trucs par là ? Ça, je l'ai pas vu. Merde. Les vis sont abîmées. Tu fouilles les autres. Ok, donc il y a un gars qui est toujours dehors. T'es sérieux ? T'as vu l'endroit ? Ça tombe en ruine. Je peux l'aider ou pas ? T'en penses quoi ? J'arrive pas à l'ouvrir. Par ici. Mais du ray tracing. Regardez. C'est beau. Pardon.
Si on arrive à l'ouvrir, on est libre. Ah, vas-y, ouais. Ouais, c'est bien notre sortie. Est-ce que tu veux que je défonce ce mur ? Ah ouais, bien sûr. Place au grand mâle musclé. Faut que quelqu'un fasse diversion. Ça va faire du bruit. Ouais, c'est pas bête. Fliss, tu nous fais l'honneur ? Pourquoi moi ? Un peu trop sympa, je trouve. Vos mères puent et vos grand-mères échelinguent. Vous êtes tous tombés dans une caisse de poissons pourris. C'est ça. Vous puez la mort, je vous dis. Laissez-nous sortir. Assieds-toi et ferme ta gueule. Ouvrez-nous. Ferme un peu ta grande gueule, ok? Alors laisse-nous sortir, putain de merde! Mais dis donc, je rêve ou l'autre il s'appelle Junior? Ah, t'inquiète, toujours blessé l'autre. Se cacher, replacer. Ah, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, les amis. Attention, je disparais. On est à l'abri, maintenant. Chut. Fais pas de bruit. Faut qu'on continue. Allez. On va forcément trouver des escaliers. Ouais, attention, je réapparais, bien sûr. Ah oui, mais attends, moi je veux aller là-dedans. Je suis sûr qu'il y a des trucs. Voilà, il y a plein de trucs à voir là. Il y a des trucs à explorer. Il y a du loot. Pardon. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Personnel navigant. FAQ. Règles supplémentaires concernant les tours de garde. En raison des mesures de sécurité spéciales liées à cette mission, des règles supplémentaires doivent être observées par les soldats lors des tours de garde. Double garde devant toutes les portes et pendant toutes les... Ouais, d'accord. Interdiction de boire de l'alcool, interdiction de parier, interdiction de fumer, de jouer, de bavarder... C'est le bagne. Sur ordre du capitaine Ford. Attention, personne n'est autorisé à entrer dans la cale 3A. Je ne plaisante pas, personne. Et c'est souligné. Regardez, c'est souligné. Hein. Attention, attention. Dangereux. La cale 3A, il ne faut pas y aller. Alors on ne sait toujours pas pourquoi. Ça s'est passé. C'était l'ordre de la Mandchourie, je ne sais pas. Ok, vas-y, sort de la coco. Il y a encore une porte là, oui. Hop, ça doit être fermé là. Du coup, c'est fermé. Ah non. Nice. Oula, qu'est-ce que c'est que cette pièce ? Je suis à droite. Je suis à droite. Oh, la vache. C'est peut-être ça qui leur a foutu la trouille. C'est quoi ? Ah, par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a rien quand on va vers la caméra à chaque fois. Donc... Attends. Ah là, il y a peut-être des trucs. Il n'y a rien. Ah là, il y a quelque chose à gauche. Hop. Mais comment il se fait... Il a 70 ans le rat là, sans déconner. T'es sérieux ou pas? Putain Splinter, il me fait chier là. Bah ouais, le navire est de 1947 et là on est en 2019. C'est un rat qui a 72 ans. C'est n'importe quoi. Bah allez, sors, sors, déconne pas, sors. Allez, sors, sors, sortez madame, sortez, prends la clé. Il était là avant moi, oui, mais comment ça se fait qu'il est encore là? Je comprends pas. Alors là, évidemment, il faut aller là. Ah, je pensais que je pouvais aller à la gauche, mais non. C'est vraiment trop bizarre qu'ils aient tous disparu. Comme s'ils s'étaient tous volatilisés en laissant tout en plan. C'est ça. Attends, il y a un truc qui brille là. Là, il y a un plan, c'est le plan de sauvetage, c'est quoi? Out of bounds. Cale 3.
C'est ça, un cargo hold, c'est la cale. La cale 3A, il faut pas y aller. Out of bounds, la 2. Engine room, cargo hold, 1. Stern. Oh, ok. Fuck you, man. Fuck you. Oh, attends, je vais par là ou... Non, je vais pas par là. Est-ce que c'est une pièce, c'est ça ou... Conrad va bien, tu crois ? Ah, je crois qu'il faut continuer par là, donc moi je vais aller là en fait. C'est pas vraiment une réponse. Oh bah, ouais. Je pense ah, c'est les toilettes, ça. Ah, oh, génial. Ah, putain de merde. J'ai vu un truc, là. On l'a vu ou pas ? Oh putain, comment c'est monté d'un coup là! Ouf, On va faire ça, les gars là! Bande de malades! C'était là, il y avait un gars là! Tu l'as vu, idée, hein? Ouais, tu l'as. Ouais, Isda, ouais, tu l'as vu aussi. Hein. Mais sans déconner! Helen Reed, ma chère Ailes. Ouais, papa sera bientôt là, ouais, c'est encore une lettre, je sais. Oh, dans le dos, il y a un petit gars. Ah, elle dit qu'il y a un petit garçon à bord dont la voix lui rappelle celle de Ned. Tu sais qu'elle s'affiche de moi, c'est impossible qu'on ait un passager clandestin, nos agents spéciaux soient bien trop vigilants maintenant que la guerre est finie. Il paraît que cette partie sera censurée. Ouais, je dois te laisser, j'entends un bruit dehors. Ok, je t'embrasse, Robert. Robert! Oh, Robert. Putain, mais ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, Robert. Alors. Robert ne s'arrête pas. Ok, donc ça c'est fait, on va aller par là. Y'a rien. Je peux pas orienter la... Ouais, voilà, je peux orienter la bordel là, le truc. La lampe. Parle. Ah, c'est ça, je peux orienter la lampe. Allez, on va par là, madame. S'il vous plaît. Tiens, y'a un truc là. Il y a un truc là. Ouais. Restez pas là, madame. Qui se déplace en bas. Hein ? Comme quoi ? Je sais pas si je veux le savoir. Un truc là, il y a un truc. Faut qu'on continue. Non. Non, là je crois que c'est bon. Là j'ai eu ma dose. Julia. Merde. Non. Non mais laisse-moi passer. Julia, elle veut pas me laisser passer. Faut que tu te calmes. Allez, on y va. Dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est ? Regardez ce qu'il y a en bas. Gros bateau. Gros moteur. Alright. Mais passe, elle veut pas me... Julia, pardon. Ah, je vais peut-être pouvoir la feinter, là. Viens là. Yes, yeah, c'est bon, je la feinte. Je la feinte parce que là, il me semblait avoir vu un truc briller, mais c'était peut-être qu'un reflet. Ouais, c'était un reflet, hein. Là, c'est un reflet, en fait. Sur l'espèce de vanne, là. Et là, y'a quoi? Y'a que dalle. Ah bah d'accord. J'ai fait ça pour rien, c'est pas grave. Y'a rien. Mais putain, y'a quelqu'un, mais oui, mais c'est machine. Pff, c'est Fliss. Ah! Ah! Kesako. Prends, n'aie pas peur. Oui, mets-toi à contre-jour pour lire, c'est formidable. Le 19 juin, j'ai découvert des faiblesses structurelles et des fissures dans certaines sections de la cale 1. J'ai demandé au charpentier d'effectuer des réparations nécessaires. J'ai conseillé au capitaine de ménager le navire sur le trajet du retour, surtout si le temps se gâte. Une manœuvre un peu trop brusque pourrait le casser en deux, carrément. 20 juin. On m'a signalé des dysfonctionnements de certains appareils électroniques. J'ai découvert sur des barbes d'étain sur certains composants. Il y a un sur en trop, je pense. J'ai nettoyé les soudures et j'ai ajouté du plomb qui a remédié au court-circuit et devrait ralentir la formation des barbes. Alright.
J'effectue l'inspection hebdomadaire de la salle des machines en vérifiant rigoureusement le carburant, l'huile et le fluide. Je vous essaie. Ce qui m'a permis de constater un niveau insuffisant d'huile à cylindre. J'ai rappelé au personnel qu'il est nécessaire d'effectuer les vérifications horaires attentivement et de prévenir un technicien en cas de baisse de pression. Salut Bartus. Le jeu sort dans 2 jours. C'est une version presse. Le navire a été pris dans un violent orage qui a commencé peu après minuit. Les arcs électriques causés par la foudre ont entraîné d'importants dégâts en traversant des câbles de levage sur le pont supérieur. La graisse a bouilli et détruit certaines sections des câbles. On m'a signalé que les problèmes causés par l'orage concernent principalement l'équipement électrique. Normal. Les barbes d'étain n'ont certainement rien arrangé. Malgré la mer agitée, aucun dommage structurel n'a été signalé. Mais je vais devoir passer la nuit à faire une évaluation complète des dégâts. Alright. Et est-ce que je peux aller avant? Non, je peux pas aller avant. Donc il y a que deux. On peut voir que 2 pages là. Ah, 4 pages. Ouais, on peut voir que 4 pages. Hop, tac, tac. Non. Ok, il y a que ces pages là. Très bien. Parfait. Allez, reprends ta machine là. On se casse. Allez, viens par là, madame. Ça, ça pue du cul, ça. Hein. Ça pue du sgeg, tout ça. Hein. Je le dis, moi. Non, alors on va pas aller par là, parce qu'a priori, il faut aller par là. Moi, je vais juste essayer de... voir s'il n'y a pas des collectibles. Reste pas devant moi, madame. Qu'est-ce que ça coûte, ça? C'est une tête de rat, un crâne de rat? Il est beau, hein? Enfoiré! Pardon. Tu m'as envoyé, mec. Oh, sa mère! L'hypopète. Je te jure, j'ai senti la main sur mon propre bras, là. Ah, tout va bien, tout va bien. Ouais, une Tilton, pareil, ouais. Alors, ouvrons ça. Non, on peut pas l'ouvrir. Ouvre-le. Le capitaine a interdit l'alcool pendant tout le voyage. Boring. Il y a un accrochage entre deux abrutis. Juste après notre départ, Ferris les a calmés en moins de 2 et depuis, c'est aussi calme que c'est dans une église. J'ai parlé à un des gars qui a embarqué à la cargaison. Il m'a dit qu'ils avaient changé pas mal de cercueils à bord. Chargé, pardon. Rien d'étonnant jusque-là, mais il a dit qu'un type avait vérifié que les cercueils étaient installés bien comme il faut dans une des cales, de manière vraiment précise. C'est pas le genre de traitement auquel le premier troufion venu aurait droit. Du coup, je me demande qui ça peut bien être dans ces cercueils. Vendredi 13, Pérez a dit qu'ils avaient fait de la gnôle avec des ingrédients qu'ils ont fauchés. On doit se retrouver plus tard dans les cales pour voir ça. Bon, un gnôle minable, ok, c'était du pipi de chat. Très bien. Samedi 14, avec un dégât, jeter un œil dans la cale où se trouvent les cercueils. Je vais aller lui demander ce qu'il a vu. Peut-être même qu'il pourra m'y faire entrer. Tout est en place, il dit qu'il peut me faire entrer en douce. Ok. Dimanche 15. Bon, c'est raté, le gars qui devait m'aider à entrer dans la cale s'est fait porter pâle. Doc Finlay pense qu'il a quelque chose qui tourne pas rond dans sa tête. Qui serait pas étonnant, mais Miller dit qu'il y a autre chose, un truc bizarre et à cet endroit. Mais bon, Miller est un peu louche de toute façon. Pas le genre de type sur qui on peut compter en cas de pépin. Mardi 17. Pérez a dit que les gars avaient refait de la gnôle. Pas motivé. Au final, la gnôle était pire, d'accord. Samedi 21. Ouais, c'est bon, ça passe. Je croyais qu'il y avait une erreur de date, mais non. Hier soir, j'étais de garde avec Wolowitz, qui m'a affiché une sacrée trouille. Il a pété les plombs et a commencé à parler d'un certain Sergent Jones porté disparu dans la jungle. Apparemment, les corps de Jones et de son escouade seraient dans ces cercueils et rentreraient chez eux juste comme nous. J'ai regardé vite fait et je les ai vus, exactement comme le gars au port l'avait dit, tous bien rangés, tous recouverts d'un drapeau. Si c'est bien Jones qui est là-dedans, ils m'ont fait un sacré honneur, enfin un honneur. Ce vieil oncle Sam n'abandonnerait jamais aucun d'entre nous. C'est formidable, donc il n'y a à nouveau que 2 pages. Hein. Voilà, très bien. Bon, on a un petit peu plus de lore, hein, si j'ose dire. De maison du café. Pardon. Faut que je décompresse un peu là. Là, y'a rien. Ok, je pense que c'est bon, je vais aller en face. Je crois qu'il y avait possibilité d'aller en face là avec Julie.
Julia? Non, oui, c'est ça. Et pas les trucs là? Oui, voilà. Ah! Une prémonition. Ok, sympa. Tout à fait, Buds. Tout à fait. Ok, je continue de ce côté. Hein. Par où ? Passe par là ? Bonjour. Je peux pas aller là, non ? Ah, ça y est. Éteins la lampe. Mais éteins-la. Tu es con. Ouais. Il y a quelqu'un, c'est sûr. Chut. Que tout le monde se taise. Salut Insomnia. Insomnia House TV, salut. Que donne le jeu sur 20? Ah, je sais pas si... C'est un peu tôt pour donner un avis, ça fait 2 heures de jeu. Je dirais ça, je sais pas, à la fin peut-être du live, hein, ça fera 5 heures. C'est pas du tout CR3. J'ai pas vu non plus de système de couleurs. Je vais aller la chercher. Ok. Vas-y, dépêche. Ok. Tu seras gentil de baisser d'un ton, mon gars. Ok. Et va la chercher, bordel. Faites attention. Rends-toi utile. C'est une version presse, Insomnia. Hey, Brad, tu peux pas te lancer comme ça, vieux. C'est pas vrai, attends 2 minutes. Oh, il est con, lui, il va faire n'importe quoi. C'est pas vrai. Quelqu'un arrive. Discrétion. Ah, j'ai crevé. J'ai crevé. J'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas! Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Déconne pas, déconne pas. Salut la patate. Qu'est-ce qu'on fait? On était censé les suivre. Faut pas qu'on s'approche trop. Bon app. On va pouvoir les danser. Je m'occupe de ça. Ok, je reprends le contrôle.
Et bon ce mangeage de Monster Munch à la patate, c'est bon ça? Il y en a qui sont au popcorn là peut-être. C'est vrai que c'est un film interactif. Hein. Ah, attends, il y a peut-être des trucs là. Allons regarder ce qui se passe, non? On peut pas y aller? Si, bien sûr. Alors. Encore un mémo interne. C'est quoi cette chapelle? Oh, c'est pas vrai, j'ai pas besoin de ça maintenant. La section 7C a été convertie en chapelle jusqu'à la fin du voyage. Nous demandons à tous les membres de l'équipage de garder le silence et de se montrer respectueux en passant près de cette zone. Signé de la main du capitaine, évidemment. Là, y a rien au dos. Sushi Wasabi Ritai, c'est bon ça aussi, dis donc. Ah, vous allez me donner faim, arrêtez, non, c'est bon. On parle plus bouffe, on parle, c'est fini. Je vais voir la dalle, là, je peux pas manger là. Ok. À gauche, c'est à gauche. C'était quoi? C'était quoi? Quoi? C'est quoi quoi? Si tu racontes. Y'a rien là. Fais peur, elle est con. Là, là, non? Non, y'a rien. Là, y'a rien. Sur le côté, à droite? Non, y'a rien. C'est quoi cet endroit? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est un bateau, on dirait. Hein. Salut Little Roseman. Captain Stubbing, pas encore. On a vu Gopher. Et Isaac. Ils vont bien. Bah attends, mais comment je fais pour passer là? C'est quoi ce délire? Ah mais il y a une porte là. Ouais. C'est là, je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver, c'est promis. Un jour. Voilà, c'est bon, j'y arrive. Une seconde. On est déjà passé par là. Alors, ça m'étonnerait. Non, on n'est pas passé par là. Je suis certaine qu'on est déjà passé par là. On n'est pas passé dans une cuisine. On fait tourner en rond, quoi. C'est faux. N'importe quoi. Ah, attendez, il y a une marmite là. Soupe du jour, mademoiselle? Comme si t'étais un pro en cuisine. Chérie, quand on vivra ensemble, je deviendrai ton chef à domicile. Un plaisir de double écran. Je ne peux que confirmer. Hop 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 hop, t'as une chose là. Kizako. Oh putain! Oh merde, c'est quoi? Alex, t'as vu quoi? Viens voir. Oh, regarde par toi-même. Waouh! Ah, voilà, formidable. Merci qui? C'est cadeau ça. Miam miam des boyaux. C'est bon ça. Alors. Hey, d'après le menu aujourd'hui, c'est ragoût. Miam. Bif casserole. C'est comme si le temps s'était soudainement arrêté ce jour-là. Comme si le navire s'était figé. Ouais, exactement. Alors c'est quoi? C'était un samedi donc. Hein. Un samedi. C'est ça, Insomnia, c'est le même développeur qui ont fait Until Dawn, voilà, qui était sorti sur Play aussi. Ah, bah voilà, un petit coutal. C'est bon, ça. Eh, hey, fais gaffe avec ça. C'est pas le bon moment pour déconner. Salut, Maléville. Va savoir, ça peut toujours servir. L'histoire, c'est que là, on devait faire de la plongée sous-marine pour trouver une épave... Ben voilà, entre potes, faire une plongée sous-marine et puis on s'est fait rattraper par des espèces de pirates. Et donc ils ont chopé notre bateau et on est entré en contact, je ne sais comment, avec ce navire géant là de la Seconde Guerre mondiale, on sait pas ce qu'il fout là, voilà. Il y a un petit côté surnaturel, hein, évidemment. Tu sais, je le précisais. Attention, tétanos avec le couteau, ouais.
Il s'est mis le couteau dans le cul, ouais, tout à fait, ouais. Je pense qu'on devrait essayer. C'est une très bonne cachette. C'était quoi ça? Y a des bruits là, ouais. Vas-y, ouvre. Voilà. L'histoire est sympa. Enfin, l'histoire est sympa. C'est typique hein, du teen movie slasher américain, mais bon. Film interactif, sympatoche. On n'est pas en mer depuis très longtemps, donc ça c'est mercredi 18 juin. La tambouille de sort et rien, première chose que je verrai en rentrant, c'est encore un grand verre. Le 19 juin, tous les journaux américains parlaient du massacre de Philadelphie, le 19 juin. C'est en 47 ça hein. Nos propres concitoyens s'entretuent dans les rues. Ok, et ensuite des gars organisent un concours de lutte dans une des cales aujourd'hui. Je m'en suis plutôt bien tiré, jusqu'à ce que Vagdar m'envoie tapis. Il faudra s'y mettre à plusieurs pour l'immobiliser, très bien. Samedi 21 juin, donc c'est... Samedi 21 juin. Je pense que la marchandise stockée dans la cale a un rapport avec une escouade portée disparue. Le chef d'escouade, Jones, avait entendu parler d'une légende à propos d'une salle remplie de statues anciennes en or massif ayant appartenu à un très jeune empereur de Mandchourie, le fameux Or de Mandchourie. On disait qu'elles étaient maudites, mais c'était juste de la superstition, je sais pas s'ils les ont trouvées, mais ils sont jamais revenus de leur mission, peut-être qu'ils ont décidé de revenir maintenant. Ok, il n'y a pas de page supplémentaire. Ok. On peut pas aller davantage à droite là, non. Terminé. Ça c'est vu. J'ai vu qu'il y avait un truc qui brillait aussi là-bas, non? Ouais, là-bas. Tac. Ah, c'est une prémonition, ça. Ouais. On va essayer de s'en souvenir, voyons. Alors, coup de couteau, mais de qui? Voyons la prémonition, là. Essayons de la revoir. Qui donne le couteau? Qui donne le coup, là? Qui donne le coup de couteau? Damn, on voit pas. Je ne sais pas. Je ne vois pas. Je ne sais pas qui donne le coup. L'assassin, oui. Et c'est une droitière, tout à fait. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas tout seul ici, t'as pas... Il y a eu un bruit, non? Il y a eu un bruit, ouais. Je sais que j'ai vu un truc. Ça se déplaçait dans l'ombre. Ok. Non. Julia, allez, essaie de te calmer. Je t'interdis de te moquer de moi. Oh bah vas-y, calme-toi un peu. Du coup, relation actualisée. Avec Julia, ça monte. Avec Fliss, c'est pas ouf. Conrad, ça a pas bougé. Brad, ouais, le frangin, évidemment, ça passe. Ok, je suis sûr qu'on est déjà passé par là tout à l'heure. On tourne. C'est une bonne base pour commencer un assassin droitier. C'est pas faux. On est déjà passé par là. Mais d'après toi, Julia, là, qui tient la lampe de la main gauche, est-ce que ça veut dire qu'elle est gauchère pour autant? T'es pas sûr. Est-ce qu'elle garde pas sa main droite pour faire des trucs? On sait pas. Non, qu'est-ce que tu fais? Ok, non. Ça, c'est trop glauque pour moi. Ah oui, la chapelle. Cercueil dégueu dans une chapelle flippante, c'est pas vraiment mon délire. Ça existe pas, les fantômes. Attends, quoi? Y a des fantômes maintenant? Bah non. Alors justement, fantômes. Ouais, toi et moi, on est au courant. Mais est-ce que le fantôme le sait, lui? Ah oui, mais alors attends, avant d'aller voir les fantômes, là, moi je. Je voulais voir si on pouvait pas aller là. Non, on peut pas, d'accord, dommage, je voulais tenter. Hein. Toujours essayer de backtrack un petit peu dans ces jeux-là. C'est quoi ça? C'est quoi? On peut observer tous les cercueils. Hein. Hé, hey, il y a le nom de ce type-là. Brian Carter. On se fiche d'où ils venaient et où ils allaient. Ils sont morts et pas nous, alors pourvu que ça dure. Allez, remue-toi un peu, quoi. Brian Carter. S'il te plaît. Est-ce qu'on va voir Jones ou je sais pas qui, là?
Mais pourquoi il fait ça? Waouh, il est fou. Pourquoi tu fais ça, mec? Secret trouvé. Oh bordel. Non mais sérieux? Est-ce que c'est un humain? Enfin, est-ce que ça l'était? C'est quoi cet endroit bizarre? Faut partir. Vite. Allez, allez, allez! Mais genre, il y a deux têtes là! Deux têtes, deux colonnes vertébrales. Et un seul pelvis. Bizarre. Il y a des trucs à droite là ou pas? Non, c'est bloqué. Du coup, j'ai pas vu l'inscription sur le cercueil. Regarde celui-là. On dirait un modèle pour enfant. Je préfère pas savoir. On se tire d'ici. Sérieux, un modèle pour enfant? Et what the fuck? C'est peut-être là. Maintenant, c'est la mascotte. Est-ce que c'est pas le Yorkshire, la mascotte? Il y a des sacrés verrous sur ces cercueils. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont été enchaînés? Bonne question, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Sérieusement, t'essaies de me faire flipper? Hein? Quoi, tu l'as pas vu? On pourrait se tirer d'ici. On se fout de moi là. On se fout de moi là. Parce que je suis désolé, mais si ça avait vraiment été un pot de fleurs, là, hein, j'aurais pas réagi comme ça. Mais là, une tête, oui. Un pot, non. Je suis désolé. Ouais, chacun, ils ont des alus, hein, je pense. Ça, c'est, mais ça m'arrange pas des masses, moi. Hein. Le rat est dans le cou. Attends, y a pas des trucs là sur le côté? Non, la caméra veut pas me suivre. Non plus. Alors, par là. Mais qu'est-ce qu'il fait? What? Un bruit pareil? Quel bruit? Comment ça, quel bruit? Tu dis moi ou quoi? Wow. Y'a rien qui dépasse ici. Si on trouve des médocs. Ouais, si on trouve des médocs, c'est du laudanum. Non, c'est quoi? Ah, de l'aspirine, tout simplement. De l'aspirine. Il y a des trucs qui me filent mal au crâne, mais là, ça va. J'espère que t'es pas en train de parler de moi, très cher. Merci de détendre l'atmosphère, Julia. C'est sympatoche. Restez pas là, madame, s'il vous plaît. Ah, mais y'a un corps là! C'est rien. Hey, l'avez vu, tout le monde l'avait vu. Pas, c'est vraiment pas le moment de déconner, je suis à bout là. Il a l'air assez bien conservé quand même pour un mec qui a plus de 70 ans. Et merci Insomnia, où c'était fait? Enfin, je t'ai pas dit merci, je viens de voir ton follow, hein. Merci beaucoup. C'est pas ce délire! Non, mais ça va pas, pourquoi tu l'as touché? Pourquoi le toucher? Ah, je voulais pas le toucher, je voulais juste l'observer, moi. Oh là là, oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'es sérieux, là? Mais ils ont même pas fini de l'opérer? Regarde ça. Il y a encore les écarteurs de fer à bœuf? Non, je connaissais pas, c'est pas du tout les fer à bœuf. On s'en fout. Ah oui, un petit peu, là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Salut Titi Bab, bonjour. Ok, alors, il devait se faire opérer de l'appendicite, une procédure courante, et il est mort d'un énorme infarctus.
ce qui est beaucoup moins courant. Alors ça, c'est clair. Il manque des lignes, là, non? Putain, mais ça, c'est qui, celui-là? Bon sang! Ce type est mort de peur. Je voulais pas voir ça. Il est mort de peur? Cadavre est terrifié. Mais, ok, il a jamais vu une appendicite aussi grosse. Un appendice aussi gros, pardon. Parle français, s'il te plaît, Thomas. Y'a rien. Ah, la vision, ouais, pas mal. Bien vu. C'est bon. J'ai cru que ça allait bouger en. Un petit temps de chargement, tout petit. Ouais, bah ça, ça a pas l'air franchement sécure. Elle va. Qui est là? On change de groupe ou pas là? On change de groupe. Tu m'emmènes comme ça. Et pourquoi je te le dirais? Pont inférieur. Atelier. Très bien. Ok, on va en profiter pour couper cette VOD, les amis, sur YouTube. A très vite pour la suite de Man of Medan, qui est très prenant, qui est excellent. À plus YouTube, ciao.